C'est-à-dire du logiciel de géométrie dynamique GeoGebra, la configuration de Thalès. Alors, voici donc le théorème de Thalès, version directe. Donc, on a comme hypothèse un triangle ABC en orange ici, puis comme hypothèse que le point D appartient au segment AB, que le point E appartient au segment AC, et que les droites DE et BC soient parallèles. Donc, qu'est-ce qu'on obtient comme conclusion? Que le côté du triangle vert AD sur le côté du triangle orange AB est égal au côté du triangle vert AE sur le côté du triangle orange AC qui est égal au côté du triangle vert DE sur le côté du triangle orange BC. Cela signifie que nous avons un rapport de proportionnalité. Dit autrement, on dira que le triangle vert est une réduction du triangle orange. Bien évidemment, on peut regarder dans l'autre sens en disant que le triangle orange est un agrandissement du triangle vert. Autre configuration dite configuration papillon. Voilà l'autre configuration dite configuration papillon car les triangles se croisent. Bon, et bien cette fois les hypothèses sont les suivantes. Les points I, F et H, J, F et G sont alignés dans cet ordre-là. Les droites IJ et GH sont parallèles. Ça, ce sont les hypothèses et la conclusion, c'est que le côté du triangle vert IF sur le côté du triangle orange FH est égal au côté du triangle vert JF sur le côté du triangle orange FG et le côté du triangle vert IJ sur le côté du triangle orange GH. Donc on obtient exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire un rapport de proportionnalité. Donc encore une fois, le triangle vert est une réduction du triangle orange. Bien entendu, si on regarde dans l'autre sens, le triangle orange est un agrandissement du triangle vert. Vous connaissez maintenant la version directe du théorème de Thalès.